part à la recherche de nénuphars sur le lac. Il y a différents types de nénuphars ici. Donc, dans notre travail de présentation des plantes, il faut quelquefois qu'on se déplace comme ça, sur l'eau, pour aller trouver les plantes là où elles sont. Plusieurs qu'on peut voir ici. Dans ça, donc, je suis aidé par Monsieur Emmanuel Zongo. Alors, la petite plante que nous avons l'avantage de décrire maintenant, c'est une plante aquatique en fait, hein, qui pousse généralement dans des, on va dire, hein, dans des lacs, dans des mares ou des ruisseaux d'eau avec des écoulements très lents. Bon, donc, on trouve cette plante un peu partout, hein, en Afrique intertropicale, depuis le Sénégal jusqu'au Nigeria. Et il s'agit de la plante appelée Nymphée micrantha. Alors, Nymphée micrantha, à ne pas confondre bien sûr avec Nymphée lotus. Ce que nous allons décrire maintenant avec l'aide de mon collègue Zongo, hein, qui a bien voulu faire la plongée dans l'eau et qui va nous décrire la feuille. Ce qu'il y a, c'est qu'en venant dans cette zone d'abord, nous avons vu qu'il y avait plein de feuilles de nénuphar. En fait, les variétés diffèrent un tout petit peu, hein, en ce sens que ce que vous voyez là avec de larges feuilles, qu'on a déjà décrites, donnent des fleurs qui sont très grandes aussi. Tandis que celles que nous allons décrire maintenant, on ne voit pas ces fleurs en fait apparaître. On va voir un peu plus tard en fait que c'est plutôt des tubercules que la plante va émettre au niveau de la boue, au fond du lac ou du cours d'eau. Alors quand on regarde, il y a quelque chose de similaire quand même entre les feuilles de nénuphar, hein, que l'on voit là. Et on voit les grandes feuilles de nénuphar avec des bordures qui sont bien découpées. Hein, et sur les sommets, on voit des espèces d'épines, de pointes même, hein, hein, qu'on peut voir, des espèces de pointes. Hein, et ça, c'est assez similaire à ce qui se passe avec notre plante, hein, qui est là. Et donc, voilà, les bordures sont vraiment découpées et avec des espèces de pointes même, hein. Et ça, ça permet de distinguer tout de suite d'une autre espèce que l'on trouve ici, qui a des bordures plutôt lisses et qui a des feuilles petites aussi, des feuilles petites, des bordures lisses, voilà, des bordures lisses aussi, voilà, légèrement ondulées. Hein, et donc ces bordures se distinguent clairement des bordures découpées avec des crêtes qui sont vraiment pointues, comme s'il y avait des épines. Donc nous allons considérer d'abord cette première différence qui permet de distinguer dans ce flot, hein, si on est à la recherche, à la chasse de tubercules, on va dire. Hein, ça c'est une première différence. Deuxième différence avec nénuphar ordinaire ou d'autres plantes, c'est que le pétiole ici est un pétiole qui est plus petit. On peut le voir, hein, le diamètre. Est-ce qu'on peut donner la taille du pétiole, hein, le diamètre, je veux dire, l'épaisseur. Voilà, ça fait de l'ordre de combien de, on va dire, 5 mm, 5 à 6 mm. Hein, si on regarde très bien, 5 à 6 mm. Tandis que si on prend un nénuphar avec de grandes feuilles, hein, le diamètre là, on peut voir, c'est de l'ordre de, oh, ça vaut 1 cm. Hein, oui, 1 cm. Voilà, 10 mm. Voilà. Donc déjà, deux grosses différences. Le pétiole est plus grand ici. Et les feuilles sont plus grandes. Petite confusion qu'on pourrait avoir, c'est que les bordures sont découpées, très découpées, avec des crêtes qui portent des pointes, hein, comme des aiguilles. Mais une fois qu'on a fait cette différence, hein, on peut prendre maintenant notre plante et on voit, on peut mesurer la taille, hein, le diamètre de la feuille. Hein, la feuille est là, on peut mesurer son diamètre. Le diamètre fait combien là? La moyenne, hein, c'est une feuille sous forme circulaire, hein, en forme de disque. Et on peut voir un diamètre de l'ordre de
combien, 18, 19 comme ça. Voilà, 18-19 millimètres, 19 centimètres, je veux dire, 18 à 19 centimètres de diamètre, avec cette fente, bien sûr, qui est en bas. Les nervures ne sont pas très visibles à la face supérieure, mais quand on tourne, on voit les nervures sont très, très imprimées en relief, c'est très visible, ce qu'on constate aussi sur le nénuphar, hein. Mais encore une fois, on peut voir tout de suite la différence, surtout que celle-là ne va pas faire de fleurs visibles à la surface de l'eau, hein, formera plutôt des tubercules. On peut mesurer aussi hein, la longueur du pétiole. Hein, longueur du pétiole, un pétiole très très long qui va émerger depuis la racine en fait. C'est des plantes qui n'ont quasiment pas de tige. Hein. Le pétiole émerge directement de la racine et on voit notre règle quand on la déroule. Notre règle qui fait 2 mètres, eh bien le pétiole, on peut donner jusqu'à 2,20 m, quoi. On peut voir jusqu'à 2,20 m. Voilà, donc on peut aussi compter au dos de la feuille hein, le nombre de nervures hein, qui sont visibles au dos de la feuille. Hein. Voilà, on peut compter le nombre de nervures là. Là je peux, bon, on compte d'un côté seulement, hein, et après on déduit... De l'autre côté 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà, 16. Donc 16 paires, ça fait 32 nervures secondaires. Alors ça, c'est aussi une propriété qu'on peut retenir sur cette plante. Et maintenant, les racines. Donc on va faire sortir, là, une opération de plongée, bien sûr, avec mon collègue Zongo. Qui va faire sortir en arrachant, donc au niveau de la boue même en fait, hein, qui va faire sortir le tubercule qui se trouve en bas, qui est précieux. Voilà. Et là, on sait qu'on avait visé juste. Là, effectivement, il fait remonter, qu'on voit là, sur laquelle sa racine, qui va émettre en fait des racines. Hein. Et donc, quand les populations récoltent ces tubercules, en reconnaissant les feuilles à la surface de l'eau, attention à ne pas confondre avec une autre plante hein, qui est là, qui a des feuilles aussi petites, comme celle-là par exemple, qui est au milieu. Mais dont les bordures ne sont pas découpées. Alors ça, ce n'est ni Nymphaeolotus, ni la plante que nous examinons actuellement. Même si ça se ressemble beaucoup, les bordures ici sont lisses, légèrement ondulées, mais pas dentelées. Alors là, on peut, avec un peu d'expérience, on peut reconnaître celle qu'on consomme, hein, et qui est là avec ces tubercules que les populations récoltent et font après font bouillir hein, plusieurs reprises. Et après, qui sont consommés comme des tubercules de patates ou bien de pommes de terre. Donc, après avoir lavé, hein, on voit une sorte de duvet, de poils noirâtres par endroits sur le tubercule et des yeux. On voit aussi des espèces d'yeux sur le tubercule. Et celui-là est assez gros, hein, on peut donner sa taille, la taille, la longueur du tubercule. On peut voir la largeur d'abord, hein. La largeur c'est de l'ordre de, on va dire combien 6 mm. Voilà, 5 à 6 cm. Et une longueur pour celui-là De 8 cm. Voilà, environ 8 cm de longueur. Maintenant on va faire une entaille à travers la chair. Et il faut savoir que c'est ce tubercule qui est bien bien apprécié. Voilà, on va enlever même un peu la peau. Voilà, on obtient... La surface du tubercule d'abord est de couleur un peu jaunâtre, mais quand on entaille, on dirait la chair qui est dedans, la pulpe donc, ressemble plutôt à de la patate. C'est ça que les populations locales récupèrent donc, et font bouillir. Et consomment. Bon, à cru, c'est un peu consommé, mais... Ça laisse un arrière-goût dans la gorge, mais on peut faire bouillir et puis consommer ça. Alors, si on est bon connaisseur de la plante,
En se promenant à la surface du lac, donc, comme ici, eh bien, il est possible hein, de reconnaître ces plantes, et donc, ou bien même de demander aux pêcheurs. Hein. Là, nous, on est venu en pirogue. On peut demander aux pêcheurs de récupérer ça. On trouve parfois dans certaines contrées, c'est vendu par les femmes qui se promènent au niveau du marché, et on vend ça, et c'est largement consommé. Ça, c'est des choses à connaître, et c'est bon à connaître. Il y a aussi, bien sûr, cette plante des vertus. On n'a pas pu trouver beaucoup par notre recherche au niveau de la documentation, beaucoup d'applications. Mais cela ne veut pas dire qu'en fait, il n'y en a pas beaucoup. Parce que ce qu'on constate, c'est que parfois, l'information a du mal à être remontée, surtout en ce qui concerne la phytothérapie. On va donner ce qu'on a pu trouver à la fin de cette vidéo. Mais au niveau non local, on va demander à M. Zongo, comment on appelle ça en moré, celui-là, dans la langue des Mossi du Burkina? Wille. 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 Voilà, donc voilà, c'est Wille. Nous-mêmes, nous n'avons pas pu trouver, mais nous pensons qu'il y a d'autres noms. Hein. Quand les vidéospectateurs vont voir cette plante, ils vont pouvoir peut-être interagir avec nous en écrivant à notre adresse email. Hein, SOSmytree @gmail.com. Hein, si vous écrivez là et vous avez des noms, on peut toujours échanger là-dessus. Donc ceci devrait permettre de reconnaître cette plante merveilleuse que nous avons présentée là.